doute n'effleure les policiers, et un mari jaloux, proféreur de menaces, sera promptement condamné. Quant au meurtrier, il ricane, bien sûr, car le crime avait pour mobile une vieille rivalité entre ex-pêcheurs de morue reconvertis dans le trafic de drogue. Ce que les policiers auraient pu comprendre s'ils avaient repéré la perche tendue par l'assassin sous la forme d'un accent circonflexe, là où l'expression toute faite exige un accent aigu. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas encore, alors là, c'est l'inculture supposée des policiers, bien sûr, qui était en cause, mais aujourd'hui, les possibilités sont beaucoup plus fines et sont offertes par les techniques nouvelles, et notamment le détournement d'ordinateurs. Alors, il y a un téléfilm qui est « Comment dépasser », vous avez peut-être vu, de Roger Pigault, sur un scénario de Bernard Videl et Claude Barma, qui était diffusé en 1990. Le crime s'effectue dans un hôpital. Grâce à une simple copie, le meurtrier va modifier le programme de soins du malade qu'il veut tuer en remplaçant. Alors écoutez bien. Produit à proscrire, par produit à prescrire. Si bien que l'infirmière injectera en toute bonne foi le produit mort. Ce renouveau du crime est aussi une belle illustration de la formule selon laquelle le langage est une arme qui tue. Alors on a vu quelques exemples là, comme l'allitération, l'à peu près homophonie, le jeu de mots sonore, donc c'est assez fréquent dans les titres de romans policiers. On pourrait citer aussi, parce que je le trouve beau, ces titres-là, un titre de Signac, qui est un auteur porté au collard, comme l'a dit tout à l'heure, un aqueduc pour la clôture. Il y a un autre titre, alors qui est une très belle allitération, je vais penser au racine, enfin ça va me rappeler les souvenirs, les échappées, j'aurais du mal à le prononcer. Hein. Le sein sèche au sein siège. Alors, pour rester dans cet esprit olipopopia, on pourrait aussi imaginer, alors là c'est un peu de l'imagination, ce ne sont pas des titres qui ont été utilisés, hein, des titres de collards anagrammatiques. Ainsi, des titres à anagramme interne. Alors j'en cite quatre. Hein. Meurtre à trémeur. C'est un anagramme. Hein. Le vélo volé, par référence à un film que vous connaissez bien, qui est le récit. Une rose pour Eros, ça pourrait faire penser à Marcel Duchamp. Hein, la morte du métro, ça ce sont des clips à anagramme interne. D'autres titres maintenant, des clips anagramme.